bienvenue pour ce nouvel épisode du Kawaii Log sur Pokémon Platine. Souvenez-vous, la semaine dernière, je vous parlais des Pokémon Spectre. Si je tombe sur un Spectre, je suis foutu. Eh bien, en m'entraînant, je suis allé combattre les dresseurs qui sont sur la route qui est au nord de Félicité. Je suis tombé contre un Polichombre. Bon, heureusement pour moi, j'avais des potions. Je l'ai battu à la lutte, ce truc a des pépés nuls. Mais, souvenez-vous, deuxième épisode, la CT que nous donne le professeur Sorbier. C'est retour, normalement. Elle a été randomisée. Et regardez ce que j'ai eu. J'ai eu les chouilles, et je m'en souvenais pas. Et regardez ça. Ils la prennent. Et je l'aurais même pas appris. Je suis vraiment con. Bon, je vais la donner à Gros Doudou, l'attaque les chouilles, parce que... par montée de niveau, Gros Doudou n'apprend rien, comme la plupart des Pokémon qui évoluent par Pierre. Qui ont évolué par Pierre plutôt, parce que tant qu'ils n'ont pas évolué, ils apprennent à faire d'attaque justement. On enlève quoi? Boule armure, entrave, torgnole. Boule armure est pas ouf. Non, je préfère enlever boule armure. Entrave, c'est très utile. Berceuse, c'est très utile. On va enlever boule armure et on met les chouilles à Gros Doudou. Comme ça, on n'est plus bloqué par ces putains de Pokémon Spectre. Nouvelle route, enfin, nouvelle route, pas vraiment, mais on n'a pas fait de rencontre sur cette route là. Du coup, potentiel nouvelle capture. Voyons ça. Quand tu veux. Quand tu veux, voilà. Kawaii, pas kawaii. Et c'est bon ça. Je vous l'avais dit lors du premier ou deuxième épisode, je ne sais plus. Tous les starters et leur évolution intermédiaire, je les ai mis comme kawaii, mais pas les évolutions finales. Parce que si j'ai des évolutions finales des starters, c'est peut-être un peu trop simple. Parce que si j'ai des évolutions intermédiaires, c'est plus équilibré quand même. On va faire berceuse. On va louper berceuse. Niveau 4, il ne doit pas avoir d'attaque combat, je ne pense pas. Par contre, s'il me brûle, j'ai pas de... Attendez, on va faire entrave. Voilà, il doit avoir autre chose que Flamèche. Au moins, il me brûlera pas. C'est l'avantage. Voilà, gros yeux. Après, gros yeux... gros yeux griffes, ça peut commencer à être chiant. Hein. On va faire berceuse, quand même. Ah, parfait. C'est l'attaque rêvée pour capturer les Pokémon. Enfin non, Cage Éclair, ça s'en fout mieux. Parce que c'est précis. Mais bon, il y a Spore aussi qui est parfait. Ah oui, non, c'est vrai qu'à l'époque, les Pokémon plantes, ils prenaient les poudres aussi. Du coup, non, Spore, c'est l'attaque suprême, évidemment. On va faire Torgnole, je doute très fortement de pouvoir le tuer. Ah, 5 fois avec un coup critique. Ok, 3 fois. Je vais... Il se réveille, ok. Est-ce qu'il est type combat, Chimpanfeu, dans cette enfin, pas dans cette génération, mais... Oui, Whistigram ne l'est pas, Simiabrase l'est, mais est-ce que Chimpanfeu l'est? Je m'en rappelle pas. Est-ce qu'il est type combat? Ça va faire mal au cul, ouais. Il est plus sous entrave. J'ai limite envie de lui entraver griffe plus que Flamèche maintenant. L'effet gros yeux. Ok, bah gros yeux il peut le faire. Tant qu'il fait pas griffe, c'est pas gênant. Avec Flamèche, il me tuera pas du tout. Au pire, on a qu'à faire les chouilles. Si vous pouvez le paralyser, ce serait parfait. Ok, non, il est pas type combat. Même sur un crit, il me tue pas. On va faire les chouilles encore. Comme ça, si il refait gros yeux, c'est parfait. Oh, ok, c'est parfait. Du coup, on peut directement envoyer une boule maintenant. Il est encore sous entrave. Est-ce qu'on... Ah, allez, Honor Ball. Honor Ball. J'ai fait quelques emplettes. J'espère que ça va rentrer, évidemment. Ouais. 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 Et boum! Voilà! Troisième Pokémon! On a un Chimpanfeu. Comment l'appelle-t-on? Il faut un nom à Chimpanfeu. Qu'est-ce que j'avais appelé... C'est Simiabrase que j'avais appelé Monsieur Tini dans le random Nuzlocke sur Earth Gold. On va l'appeler Tini Junior, du coup. Ah, et Evoline est tellement plus seul au monde. Non, c'est Tiny, là, mais... Ah, attends, peut-être qu'en fait, dans la version américaine de Simpsons, ils disent Tiny, pas Tini. C'est tout bêtement. Ouais, je sais pas exactement comment ça s'écrit. Tini Junior, voilà. Moi ça me va. Oh, il est femelle. Il est femelle, oui. Abus de langage, je sais. Alors, cette attaque, je pense qu'on a tout vu. Hein. Il est niveau 4, donc normalement on a tout vu. Nature mauvais, donc plus attaque, moins défense spéciale. Moins défense spéciale pour Chimpanfeu, c'est vraiment, vraiment embêtant. Et lui, je peux pas le faire évoluer. Hein. Donc, il va falloir que je lui donne une pierre stase. Brasier, 13, ok. Il m'a l'air d'avoir une très, très bonne attaque. Mais après, c'est un Pokémon évolution intermédiaire niveau 4, j'ai pas trop la notion hein, pour eux. Griffe ou ressuffle la mèche. Impeccable. Écoute, on va lui donner la pierre stase. Voilà, j'en ai 6. Hein, j'en ai théoriquement une par Pokémon de l'équipe.
des pierres sas. On va aller soigner quand même. Et va falloir l'inaugurer ce sympathique chape en feu. L'inaugurer. On va combattre avec. On va aller faire un petit tour au centre Pokémon avant de repartir. J'ai pas besoin de racheter des objets. De toute façon, j'ai combattu aucun dresseur. Et j'ai utilisé que des balls. Non, j'ai utilisé juste une Honor Ball. C'est quand même pas grand chose. Par contre, ça veut dire que si je peux faire une autre rencontre aujourd'hui, j'aurais pas de Honor Ball pour le capturer. C'est dommage, j'aurais pu tenter salade tomate oignon. Tout le monde en Honor Ball. Enfin, sauf Evoli, évidemment. Ça n'a pas besoin de vous faire un dessin. Bien entendu. Est-ce qu'on combat le dresseur qui est. Alors, c'est une dresseuse ou pas elle? Non, c'est pas une dresseuse. Il y a un objet, tiens, on va passer par là. On va le combattre, lui. Si ça peut faire un peu d'expérience à charpe en feu, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Les gamins, il y a. Ok, Magikarp. C'est pas gênant. Et il doit pas avoir rebond. De toute manière, je suis pas type combat, donc à la limite, rebond, c'était pas gênant vraiment. Niveau 7 versus niveau 4, ça me fait pas très peur. Je trouve qu'il a une seule tête. Dans ces versions-là, Magikarp. Je trouve qu'il fait la gueule. Enfin, je préfère quand il a la bouche ouverte en mode. Je le préfère comme ça plutôt que comme ça là. Il m'a l'air moins. Il m'a l'air moins désespéré comme ça. Je trouve ça dommage. Vraiment dommage. Ah, je fais que ça. Please. Oh, mais please! Je sais bien qu'il est niveau 7, j'aurais dû faire gros yeux deux fois. Voire même 3. Je pense. Au pire, on va le tuer avec la griffe suivante. Oui, je pense. Je pense. Voyons toute l'abnégation de ce Magikarp qui ne cesse de faire trempette contre vents et marées. C'est pas mal. Nagal. Ok, bah. Okay. Sur coup de boue, il me tue pas. Enfin, de toute manière, je suis plus rapide. Et ça me semble pas choquant de le tuer en un coup. Pas du tout. Ok, bon. Vampirisme. Voilà. À ce niveau-là, je suis même pas sûr que coup de boue puisse l'apprendre à monter de niveau. Je pense pas. Quoique, c'était une CT en 2G, mais plus après. Donc, est-ce que coup de boue, ça s'apprend encore par CT aujourd'hui? Non, bah non. Il y a plus de CT coup de boue. Peut-être Move Tutor. Ça me choquerait pas, ça. Move Tutor, coup de boue. Ça me choquerait pas. Allez, niveau 5. On apprend rien. Oh putain. What? Ah ouais! Ah, ça déconne pas! Deux niveaux et demi! Ah ouais! D'accord! Très bien, très bien, on va pas se plaindre. Défense plus. Il y a que des défenses plus dans ce monde, hein. C'est pas possible. On a déjà fait la rencontre sur cette route-là. Conseille-toi, j'ai pas besoin de conseils! On va pas combattre, oui. Il y en a sûrement un obligatoire après, je pense. Ah, encore chapeau en feu, le petit frère. Non, on est dans un miroir, je préfère pas le contest celui-là. Non, clairement non. Lui, on va l'esquiver. Elle aussi. Ok, est-ce qu'il y a un objet dans le coin? Non, bon, tant pis, c'est pas grave. Et encore une nouvelle zone. Entrée charbon. Alors lui, il me dit un truc normalement. Ouais. Ta Pokémon te flambe en neuve et ta maladresse me disent que tu es un dresseur débutant. Je t'emmerde. Non, je ne vous permets pas. C'est pas mal parce que pour Chimp en feu, ça peut être utile. Après, est-ce que je le mettrai pas à Gros Doudou qui au final n'apprend rien du tout? Au final, Chimp en feu finira par avoir Mac Punch. Ah, il l'apprend. Gros Doudou l'apprend pas. J'ai pas envie de le mettre à Chimp en feu pour l'instant. Ça m'embête beaucoup de mettre une CS à ce Pokémon là aussi tôt. Par contre, on est dans une nouvelle zone. Qui est une nouvelle zone, dit. Nouvelle capture, mon gars! Et oui! Psycho, quoi? Il n'y a que des Pokémon que j'aime. C'est fou. On est feu quand même. Hein, un petit pistolet à eau ne me paraît pas impossible. On va envoyer Gros Doudou. Restons safe. On se fait griffe. Je préfère ne pas prendre de risque, évidemment, on est au début. Enfin, que c'est pas parce qu'on est plus. Enfin, c'est pas parce qu'on avancera qu'on sera. J'aurais pas de raison de ne pas prendre de risque, évidemment. Surtout dans un Kawaii Log, je veux dire. Peut-être là où il faut prendre le moins de risque. Tourniquet. Très bien.
Je suis content de savoir qu'il aura tourniquet, qu'il y aura un Pokémon avec tourniquet dans mon équipe. J'en suis vraiment ravi. Par contre, il sera pas en Honor Ball. Oh non, merde! Non, arrête! Voilà! Enfin, j'ai cru que j'allais le tuer. J'ai cru que j'allais le tuer, le beau Psycho Quack. Je pense que j'ai fait un max roll sur le premier coup, parce que le deuxième coup était bien plus puissant que le deuxième. Je pense. Est-ce qu'on refait les chouilles? Ouais, allez. On y va. Parax! Ah! C'est beau. Ça, c'est le talent qui parle. Est-ce que tu rentres en une boule? Oui. Encore. C'est ça. Oui! Parfait! 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 Et ça fait deux captures en un seul jour. Enfin, en un seul épisode. C'est fou. C'est quand même dingue. Comment on l'appelle ce Psycho Quack? Le temps si agré en anglais c'est Cloud 9. On va l'appeler Cloud et comme ça. Et comme j'aime pas Final Fantasy 7, il y en a qui vont rager. Voilà. Parce que je compare Cloud à Psycho Quack. Voilà. Alors il a quoi comme attaque? Ah, il a un objet. Non! Oh, Mystique! Brave. Plus attaque, moins vitesse, c'est nul! Ça, c'est nul, 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 nul pour Psycho Quack. Ciel gris, il a bien ciel gris. Tourniquet, griffe, mimique. Ok. J'aurais jamais cru avoir autant de Pokémon à ce moment-là de la partie. Enfin, vu le départ un peu compliqué que j'ai eu au niveau des captures, je pensais pas. Alors, la route d'avance, c'est la route 203. Et là, on arrive à. Ah, d'accord, il n'y a pas de Pokémon ici. Ok. On arrive à Charlebourg. Bon, vu qu'il n'y a pas de Pokémon, ça change rien. Parce que j'essaie de retenir maintenant les routes sur lesquelles j'étais avant quand on traverse une grotte, un truc comme ça. Parce que des fois, on traverse une grotte et on se retrouve dans la même route. J'ai pas envie de faire de conneries par rapport à Nuzlocke en mode première rencontre de chaque route, tout ça, tout ça. Maintenant, j'essaie de. J'essaie de retenir tout ça. Ah, j'ai fait. Oui, il faut aller chercher. Pierrick, c'est bien ça. Franchement, appeler un champion de type roche Pierrick alors qu'il y a déjà. Alors qu'il y a déjà Pierre en 1G qui était champion de type roche, je trouve ça vraiment nul. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi ça me plaît pas du tout. Du tout, du tout cette idée. Ça dénature la 1G. Après, je suis pas du tout du genre à défendre la 1G pour un oui ou pour un non. Mais ça, franchement, je trouve ça moyen. Ça fait un peu pâle copie. Je trouve. Après, c'est que mon avis, évidemment. Alors, le Psycho Quack, faudrait que je lui mette la pierre stase à un moment ou à un autre. Enfin, de toute manière, ils sont loin. Ouais, attends, ça sert à rien. On va lui prendre la pierre stase, que ça sert à rien pour l'instant. L'eau mystique, on va lui laisser. Quoique, tant qu'il a pas d'attaque haut. Que s'il la prend pendant un combat, je serais bien content de lui avoir laissé l'eau mystique. Tant qu'ils sont loin de l'évolution, ça sert à rien de leur mettre la pierre stase, ça change rien. Au pire, s'il faut que j'appuie sur B une fois, bon, c'est pas dramatique. On a quoi là? Oh, oh! Roche royale, instantanément. Instantanément. Sur Roudoudou. Avec Torgnole, c'est beaucoup trop fort. Oh! Mon dieu! C'est beaucoup trop fort! Tarniole, Roche Royale, vous avez je sais plus combien de chances de flinch à chaque attaque. C'est monstrueux. Est-ce qu'on a pas une attaque de. Enfin, une attaque. Un objet de ce côté-là? Non. Y'a pas un truc caché? Non, dommage. Ok, tant pis. Tant pis, tant pis. Ça, dommage. Tant pis pour moi. Ok. Ah, si, y'a un objet là. On peut pas le prendre. Attends, comment je fais? Ah, voilà. Nouvelle zone, Mine Charbourg. Nouvelle zone, mais Nosferapti n'est pas kawaii. Et donc on ne le capturera pas. Non, Zubat, c'est pas kawaii. J'ai pas pu le mettre dans la catégorie kawaii. C'est pas, non, je l'ai pas mis. Ça en était bon impossible. On va le mettre KO. Un petit peu d'expérience avec Chimpanfait, ça fait pas de mal. Voilà, on tue. Ok, coup critique. Sans coup critique, j'aurais eu besoin de 3 coups. Ok. J'ai combien de PP sur Flamèche? Je me demande. 25, ok. Ça va, je suis quand même tranquille. Flamèche, enfin les attaques stabées spéciales, c'est vraiment top au début du jeu parce que vous avez très peu de Pokémon qui résistent à ces attaques là. Et ça tape plutôt fort, donc c'est plutôt pas mal hein, au début du jeu. Et il y a beaucoup de PP quoi, pas besoin de retourner au sein de Pokémon 8000 fois. C'est vraiment excellent. Franchement, au début, mieux vaut avoir Flamèche que Lance-Flamme, hein. Clairement. Hein. Parce que Lance-Flamme, vous allez vite avoir besoin de passer au sein de Pokémon pour soigner les PP. Très clairement. Non!
avait Pikachu. Putain. Il y avait Pikachu. Mon dégoût est immense. Je suis... Non, quoi. Vas-y, il y a des Pikachu, faut que je tombe sur Nosferapti, quoi. T'es sérieux? J'aurais pu capturer 3 Pokémon en un seul jour, quoi. Cela aurait été totalement dingue. Alors, je mets pas Psychocoque en tête de l'équipe, parce que sinon, il va avoir du mal à fuir. C'est des douteux. Ah bah, je suis content d'avoir un objet qui fait évoluer un Pokémon par échange. De toute façon, les Pokémon qui évoluent par échange, avec la randomisation, ils évoluent par montée de niveau, du coup. Bon, de toute manière, il n'est pas kawaii en carnage. Roucoule, je sais plus si j'ai mis kawaii ou pas. De toute façon, j'ai la liste, hein, je peux regarder. Hein. Bon, je rencontre le Pokémon si jamais. Mm-hmm. Si tu me donnais le badge de notre arène, tu serais toi aussi capable de faire de même. C'est-à-dire, moi. Ok. Premier champion d'arène avec un casque de chantier sur la tête. Bon, en même temps, là, il est dans un chantier. Après, dans son arène, il n'y est plus. Dans un chantier. Oui. Piafabex, pas ouf. Il est pas dans les kawaii, Piafabex, ça j'en suis certain. Même s'il est petit, voilà. C'est pas parce qu'un Pokémon est petit qu'il est mignon. Attention. Après, on peut aussi se dire, on peut imaginer n'importe quel Pokémon qui fait un grand sourire avec un petit ruban. Et on peut se dire que n'importe quel Pokémon peut être théoriquement mignon. Bon, pas dans Sferapti, mais bon, voilà. Forcément, c'est un mauvais exemple et il apparaît au moment où je dis ça, mais c'est pas ma faute. C'est absolument pas ma faute. Bah du coup, on va retourner vers l'arène. Alors, si je veux rencontrer moins de Pokémon, il faut que je marche. Mais du coup, c'est chiant. Et je rencontre quand même un Pokémon. Du coup, est-ce que c'est rentable? Je sais pas. Si je rencontre encore un Pokémon avant de sortir, on pourra considérer que c'était une idée de merde. Voilà. Et vous aurez le droit de me dire en commentaire, Harry, c'était vraiment une idée de chiotte. Pourquoi t'as fait ça? J'ai tout gagné, hein, voilà. C'est super, voilà. Tout ça pour rencontrer le Pikachu que j'ai pas... Je suis dégoût. Je suis dégoût et frustration. Pas de Pikachu. C'est très bien, Chimpanfeu et Psychoquack. Mais pas de Pikachu. Et du coup, bah, la semaine prochaine, on s'attaquera à l'arène. Ce sera lundi prochain, dans le prochain épisode du Kawaii Log sur Pokémon Platine. Salut tout le monde.